Ici l'agent spécial Sean Case, directeur régional de l'unité Other Worldly Lifeforms. Nous sommes le 23 février 1996. Après ma prise de poste, l'équipe a pensé qu'il serait bon d'enregistrer mes réflexions pour la postérité. Peu de gens ont été exposés à ce que j'aurais l'occasion d'observer. Et, et pour être honnête, je ne sais pas si cette idée me fascine ou me terrifie. Quoi qu'il en soit, j'ai été informé de façon exhaustive et je peux désormais travailler sur cette espèce passionnante. Le directeur Peter Case, mon père, faisait partie de l'unité de l'OWLF en 1987, lorsqu'une unité des forces spéciales a établi un premier contact avec le Predator en Amérique du Sud. Le Predator a été neutralisé par le dernier membre survivant de l'équipe. Qui a déclenché un mécanisme d'autodestruction dévastateur. Mon père et son équipe ont longuement interrogé le survivant, pendant qu'une équipe de chercheurs de l'OWLF fouillait la zone en quête de preuves. Malheureusement, l'équipe n'a trouvé que très peu d'échantillons. Le premier contact remonte à près de dix ans. J'espère que j'espère que l'avenir sera plus fructueux. Ici l'agent spécial Sean Case, directeur régional de l'unité World. 3 décembre 1996. La situation se débloque doucement. Je savais que ce serait difficile, mais c'est comme chercher une aiguille dans une vingtaine de bottes de foin. Je passe mon temps à lire un tas de documents et de données pour tenter de comprendre les Predators. C'est le nom que mon père leur a donné. Lors de l'interrogatoire du survivant de Valverde, Alan Schaeffer, L'OWLF a obtenu de nombreuses informations qui ont permis d'établir le fonctionnement de ces créatures. L'utilisation d'appâts, la traque des proies, leur écorchement et la fabrication de trophées suggèrent que nous avons affaire non pas à un simple carnivore, mais à une espèce chassant pour le plaisir. De plus, lorsque Schaeffer s'est retrouvé désarmé, le Predator a abandonné ses propres armes ce qui indique un système culturel basé sur l'honneur. Après cette première confrontation, tout a commencé à s'expliquer. Avec le recul, j'ai réalisé que certains détails étaient significatifs. D'après ces notes, il semblerait que plusieurs spécimens aient été affrontés au cours des dernières années. Mais cela n'a donné lieu qu'à quelques rumeurs et à bien peu de preuves. 12 février 1997. <coughs> L'équipe a passé ces dernières années à travailler sur les contre-mesures et autres méthodes afin de chasser les chasseurs. Si on arrive à attraper un de ces enfoirés par surprise, à le ramener vivant, le monde changera à jamais. Il est surprenant que rien n'ait jamais été récupéré sur le site d'une rencontre avec un prédateur. Pas de corps, pas de membres, pas même un doigt. En fait, ce n'est pas si étonnant. Le Predator est conçu pour la chasse discrète. On ne le voit pas grâce à une technologie avancée de réfraction lumineuse. Cependant, lui nous voit parfaitement grâce à sa vision infrarouge. Nous sommes trahis par notre chaleur corporelle. Heureusement, ce système n'est pas très perfectionné. Dutch, Schaeffer, est parvenu à se rendre indétectable en se couvrant de boue froide. Tout ceci a mené à la mise au point d'une combinaison masquant la signature infrarouge de son porteur. Nous travaillons encore sur un système permettant de contrer son camouflage, mais nos récentes avancées sont prometteuses. 2 juillet 1997 nous y sommes. Une rumeur circule au sujet d'une scène de crime à Los Angeles, sur laquelle ont été trouvés des cadavres écorchés et pendus. Une vague de chaleur sévit dans la ville, ce qui confirme les données suggérant que la chaleur joue un rôle dans le choix d'un terrain de chasse par les prédateurs. Je suis convaincu qu'un spécimen est apparu. L'équipe de terrain a pris l'avion il y a quelques heures et devrait arriver ce soir. Pour une question de discrétion, mon père et les autres agents de l'OWLF se font passer pour des agents de la DEA enquêtant sur le trafic de drogue à Los Angeles. Notre but est de capturer le chasseur urbain vivant. Nous avons équipé nos agents de combinaisons infrarouges, de mécanismes de refroidissement et d'un équipement de surveillance de grande envergure afin de garder un œil sur l'ensemble de la ville. Cette opération pourrait bien être un suicide collectif, mais j'y crois. Nous ne préparerons pas le laboratoire avant d'avoir reçu une confirmation de l'équipe de terrain. Mais les prochains jours s'annoncent passionnants. 8 juillet 1997. Je viens de recevoir la confirmation de l'équipe à Los Angeles. Un Predator a établi son terrain de chasse dans le centre-ville. Je ne réalise pas encore ce qui se passe, mais je vais devoir agir rapidement. L'équipe de surveillance suit ses déplacements afin de comprendre la façon dont il organise la chasse. Le reste des hommes de terrain ont mis en place un piège dans un abattoir du quartier des entrepôts qui fournit de la nourriture aux prédateurs. Cela confirme qu'il chasse par plaisir et pas seulement pour se nourrir. Le plan est de mettre en place des contre-mesures, puis d'attaquer la créature par surprise grâce aux combinaisons refroidissantes. C'est risqué, mais nous devons agir tant qu'il est encore temps. Je pense que nous devrions installer un laboratoire mobile à Los Angeles afin de nous tenir prêts dès que le Predator sera capturé. Si tout se passe comme prévu, nous vivrons bientôt l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité. 10 juillet 1997. Plusieurs jours ont passé depuis l'incident de Los Angeles. Le directeur de l'EWLF, Peter Jacob Case, mon père, a été tué en service alors qu'il tentait de capturer le Predator surnommé le chasseur urbain. Je me trouvais sur les lieux afin de mettre en place le laboratoire en vue de la capture quand j'ai reçu un message paniqué d'un survivant de l'assaut. Le chasseur urbain était mieux préparé que nous le pensions. Il a tué la quasi-totalité de l'équipe dans l'abattoir, y compris mon père. C'est un jour sombre pour l'OWLF. Nous n'avons pas été en mesure d'apporter au monde une preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et nous avons laissé passer une occasion de sauver notre espèce de la menace des prédateurs. Mais il faut avancer. Même si nous ne sommes pas parvenus à capturer le chasseur urbain, nous avons obtenu de nombreuses données à son sujet. Nous avons également un rapport du lieutenant-détective Michael Arigan, clamant qu'il aurait tué le chasseur urbain avec l'une de ses propres armes. Il mentionne que peu avant que le chasseur rende l'âme, un groupe d'extraterrestres plus âgés est apparu. Ils ont laissé filer Harrigan. Et ont emporté le corps de leur père à bord de leur vaisseau. Nous avons retracé les actes d'Arigan d'après son témoignage. Le combat face aux chasseurs urbains a provoqué des dégâts conséquents, mais rien ne les différencie de la violence liée aux gangs qui pullulent à Los Angeles. Cependant, nous avons trouvé dans une ruelle de quoi donner, si ce n'est un sens au moins une utilité à... à ces sacrifices du sang du sang vert bioluminescent qui ne pouvait provenir que d'un prédateur c'est déjà une découverte cruciale en soi mais au bout de la piste de sang nous avons trouvé le bras du chasseur urbain j'ai demandé immédiatement la mise en quarantaine de la ruelle pour éviter que quelqu'un ne le découvre mais il était trop tard Quelqu'un était déjà sur place. J'ai essayé d'éloigner l'individu grâce à notre histoire de couverture, mais il s'est contenté de rire. J'allais sortir mon arme quand il a allumé un cigare. Dans la brève lueur, j'ai reconnu le visage du major Alan Dutch, Schaeffer. Il était plus âgé et plus mince que sur les photos que nous avons, mais c'était bien lui. Les agents de l'OWLF ont envahi l'allée. Mais Dutch n'a pas résisté. Voulait-il être capturé ou s'est-il laissé distraire par la curiosité Difficile à dire. Les dernières nouvelles du Major Schaeffer remontent à sa détention au sein de l'OWLF, peu après avoir été interrogé par. par mon père, qui était à l'époque l'agent spécial Peter Case. Suite à l'incident de Valverde. Je n'avais pas entendu parler de lui depuis sa fuite. Mais il était bien là, sur le lieu même de l'attaque du Predator. Lors du débriefing, il m'a raconté qu'il était proche de mon père. Et qu'on l'avait laissé filer discrètement afin qu'il contribue à la localisation de ces créatures. Au fil des années, ils étaient restés en contact et avaient échangé des informations ayant mené à plusieurs affrontements contre des prédateurs dans le but de mettre un terme à la menace. Après avoir entendu parler de l'incident de Los Angeles, il s'y était rendu pour nous aider à localiser ce chasseur urbain. Mais un manque de ressources l'avait empêché d'arriver sur place à temps. En juillet 1997, contre toute attente, Dutch nous a été très utile. Il connaissait mon père et était navré d'apprendre sa mort. Il nous a proposé son aide si nous lui fournissions une équipe et un financement. Dutch serait notre agent de terrain pour toute incursion extraterrestre. Il connaît les prédateurs et sait comment ils chassent. S'il parvient à nous rapporter des dépouilles, des équipements ou même des rapports, nos recherches avanceront rapidement. Avant de partir, Dutch a sorti ce que j'avais aperçu dans la ruelle. Une lance rétractable, celle que le chasseur urbain avait utilisée contre Arigan. Il voulait la garder en guise de paiement. Bien que d'une technologie avancée, la lance était relativement rudimentaire. J'aurais voulu la garder. Mais j'ai estimé que ce pouvait être une preuve de bonne foi. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il aurait accepté un refus. La bonne nouvelle, c'est que Dutch nous a donné un casque de Predator en parfait état. Je n'y ai pas perdu au change. Toutes les données qu'allait nous fournir le casque et le bras suffiraient sans doute à changer le cours de l'histoire. Le décès de mon père. A été une épreuve terrible. Mais la situation commence à s'arranger. Désormais, Dutch et moi sommes réunis face à la menace. D'une certaine manière, la boucle est bouclée. 21 septembre 1997. L'agent Adam Garber, associé et ami proche de mon père, a été désigné pour prendre la tête des opérations de l'OWLF. Mais il m'a demandé de l'aider à gérer la recherche et les opérations. Nous sommes parvenus à obtenir une rallonge budgétaire conséquente après avoir présenté le casque et le bras sectionné du Predator. J'ai convaincu Garber de ne pas dévoiler l'existence de Dutch et de son équipe. Dutch aura beaucoup plus de latitude pour nous aider s'il ne travaille pas officiellement pour nous. Les rétributions de ces hommes sont enregistrées en tant que service de nettoyage. L'analyse que nous avons effectuée sur ce bras nous a apporté des informations inestimables sur la physiologie du prédator. Et nous commençons seulement à comprendre les capacités de ce casque. Un ordinateur est fixé au poignet. Il a probablement été détruit par ce qui a sectionné le bras. Il ne sera pas simple de désassembler et d'analyser ces technologies extraterrestres. Mais les découvertes que nous ferons seront cruciales. Et nous apprendrons beaucoup sur cette espèce si avancée par rapport à la nôtre. 1er décembre 1997. Nous avons effectué sur le bras une série de tests génétiques dont les résultats pourraient représenter une avancée énorme sur le plan médical. Il pourrait également nous fournir des indices relatifs à la composition de l'atmosphère de la planète d'origine de l'espèce et à sa viabilité pour l'homme, si nous trouvions un moyen de nous y rendre. L'élasticité de la peau suggère que le chasseur urbain était juvénile, ce qui correspond au rapport du détective Arrigan sur l'individu de Los Angeles il est possible que la chasse soit un rituel de passage à l'âge adulte. D'après la datation de la structure osseuse du chasseur urbain, il sera âgé au minimum de 300 ans, ce qui pose la question de la longévité d'un prédateur. Si nos hypothèses sont correctes, elle pourrait atteindre 1000 ans, voire plus. Le masque, quant à lui, semble être un élément utilitaire courant pour le prédateur. Mais sa conception est fascinante. Outre ses fonctions respiratoires, la visière intégrée est capable d'afficher des fréquences visuelles multiples, ce qui explique comment le chasseur urbain a pu découvrir et éliminer l'équipe de l'OWLF dans l'abattoir. Nous avons supposé qu'il ne captait que les infrarouges, mais c'était une erreur. En revanche, je ne m'explique pas comment, avec une telle technologie, les prédateurs peuvent appartenir. À une culture de type tribal. Ils accordent une grande importance à l'honneur, aux trophées et à la valeur de leurs adversaires. Trait que notre espèce a abandonné au cours de son évolution. Serait-il possible que ces avancées technologiques aient été mises au point par une autre espèce « 12 mars 1998. Nous avons obtenu notre première piste sérieuse depuis Los Angeles. À 2 heures du matin, une unité des forces spéciales en mission au Cambodge a disparu. L'OWLF a été informée lorsque des corps écorchés ont été signalés par les services de renseignement. Nous avons envoyé immédiatement Dutch et son équipe sur place. D'après nos recherches, un prédateur occupe un terrain de chasse pendant environ une semaine. » avant probablement de de retourner sur sa planète il semblerait que la détection de nouveaux spécimens s'accélère ce qui suggère que nous localisons de mieux en mieux les prédateurs ou qu'ils en envoient de plus en plus c'est à la fois excitant et et inquiétant si ça continue nous ne serons bientôt plus en mesure de faire face L'équipe de Dutch fait preuve d'une grande efficacité à l'heure actuelle. Mais si nous ne leur donnons pas les moyens de prendre l'avantage face à cette menace, l'humanité ne survivra pas à une invasion de Predator. 19 mars 1999. L'équipe de Dutch est parvenue à obtenir une arme de Predator intacte. Ils ont traqué et abattu le prédateur tout en parvenant à récupérer son canon d'épaule avant qu'un groupe d'anciens vienne récupérer le corps, comme à Los Angeles. Il semble que les anciens n'aient pas remarqué que Dutch avait pris le canon, ou bien qu'ils s'en moquaient. Mais je suis ravi que nous l'ayons en notre possession. Mes hommes analysent actuellement sa composition et son fonctionnement, et j'aimerais obtenir un rapport complet avant que quelqu'un ne pense à s'en servir. D'après ce que décrit Dutch, il existait un lien surnaturel entre l'arme et le Predator, ce qui impliquerait des fonctionnalités biométriques avancées. Il pourrait également exister un lien plus direct avec son masque. Seuls le temps et des analyses rigoureuses apporteront des réponses à nos questions. L'essentiel est d'éviter de tout faire sauter avant par inadvertance. Nous sommes le 4 avril 2001. Bien que j'ai suivi une formation de base, je ne vais que rarement sur le terrain. Cependant, j'ai souhaité obtenir des informations directes relatives aux prédateurs. Dutch perfectionne sans cesse ses talents de pisteur et j'ai reçu l'assurance de voir un spécimen si je participais à la mission. Je n'ai pas souhaité être armé en raison des rapports indiquant que les prédateurs Épargne les individus désarmés. Le fait de tuer des cibles sans défense est probablement considéré comme déshonorant. À notre arrivée, nous sommes tombés dans une embuscade de guerriers, ce qui, sur le moment, m'a fait regretter ma décision. Mais je suis resté à couvert, pendant que Dutch et son équipe ripostaient. À l'issue du combat, nous avons entendu un rugissement assourdissant. Un prédator énorme se tenait dans la clairière. Il n'avait pas de masque et fixait Dutch en silence. Après quelques minutes, il a rugi à nouveau, avant de charger en lançant un couteau qui a manqué Dutch, mais a égratigné mon bras. Impassible, Dutch a sorti sa lance et l'a plantée dans la poitrine du prédator. Il semblerait qu'elle n'ait touché aucun organe vital car le prédateur a continué de se battre avant de fuir dans la jungle. Quelques minutes plus tard, nous avons senti le sol trembler et un vaisseau spatial a décollé. Malgré le traumatisme occasionné par cet événement, je suis ravi de l'avoir vu en chair et en os. Je n'ai pas été déçu. 27 octobre 2004. Nous avons récupéré une dépouille de Predator. Elle est criblée de balles, mais elle devrait nous fournir des informations précieuses sur la biologie de l'espèce. J'ai envisagé de demander à Dutch de trouver des méthodes moins destructrices pour vaincre un Predator, mais je me suis ravisé. Dutch et son équipe sont parvenus à évacuer le corps avant qu'il ne soit intercepté ou détruit. Pendant que les analyses sont en cours, nous menons des tests sur le canon plasma en parallèle. Nous n'essaierons pas de l'utiliser tant que nous n'aurons pas établi son état. J'espère que nous pourrons obtenir d'autres exemplaires, ce qui pourrait nous permettre de copier cette technologie. Le fait d'être équipé de l'arme de notre ennemi augmenterait fortement nos chances lors d'un affrontement. 8 juillet 2007. Cela fait dix ans jour pour jour que mon père est décédé à Los Angeles. Le bâtiment dans lequel je me trouve a été nommé en son honneur, en raison de ses contributions à l'OWLF. Sa passion, son désir de découvrir les secrets de l'univers était sans limite. J'aime penser qu'il est fier de tout ce que nous avons accompli depuis sa mort. La meilleure façon de lui rendre hommage est de veiller à ce que son travail perdure. Notre équipe continuera à faire avancer la science en l'honneur de Peter Case. 10 mars 2008. L'équipe est particulièrement secouée. Au cours de notre dernière mission, les hommes de Dutch ont été tués. Nous les avions envoyés sur un terrain de chasse situé près d'un petit village, mais le village était vide. Ils ont découvert une colonne vertébrale et un crâne humain récemment empalés sur la lance d'un prédateur au centre du village. C'est à partir de cet instant que l'enfer s'est abattu sur eux. Ils ont été éliminés un par un, sans même pouvoir identifier leur ennemi. Dutch a emmené les survivants en lieu sûr, puis s'est désigné comme adversaire en sortant sa lance. Il s'est alors retrouvé face à un prédateur très particulier. D'après lui, son armure était beaucoup plus travaillée, dans un style rappelant les pharaons égyptiens. Il était aussi plus mince, mais beaucoup plus dangereux que tous les prédateurs qu'il avait croisés jusque-là. Sa description me laisse à penser qu'il a rencontré une femelle. Nous avions supposé sans certitude que tous les prédateurs identifiés étaient des mâles. Dutch a été pris par surprise et cloué à un mur par le lance-filet de la femelle. Elle s'est approchée de lui avant d'activer son canon d'épaule et d'abattre chaque membre de son équipe avec une précision étonnante Les mailles serrées du filet tranchaient le visage de Dutch et malgré le sang qui coulait dans ses yeux il a pu apercevoir le prédateur se camoufler et disparaître dans la jungle Au vu du nombre de victimes et des blessures de Dutch nous n'en verrons plus d'équipe sur le terrain avant un moment je crains fortement que nous ayons énervé la reine. 17 novembre 2008. Depuis quelque temps, l'équipe médicale mène des expériences sur la technologie issue de la trousse de soins du Predator. En prévision de blessures subies lors de la chasse, les Predators portent un éventail d'appareils médicaux perfectionnés. Bien qu'ils soient conçus pour la physiologie de leur espèce, la technologie de base est étonnamment universelle. Nous étions cependant loin de pouvoir mener des tests sur l'homme jusqu'au mois de mars. Dutch est revenu de mission grièvement blessé suite à l'affrontement avec la femelle Predator. Ses chances de survie étaient presque nulles. Avec son accord, nous avons utilisé plusieurs solutions expérimentales afin de stabiliser son état, dont un sérum contenant des cellules sanguines de prédateurs enrichies d'ADN humain. L'un des facteurs contribuant à la longévité des prédateurs est leur capacité à régénérer leurs tissus. Nous espérions modifier ces cellules afin qu'elles identifient les tissus humains et les réparent. Le sérum semble avoir réduit la période de convalescence. Une année aurait dû être nécessaire à Dutch pour se remettre, mais il s'est rétabli en trois mois. Il restera en quarantaine jusqu'à ce que nous ayons identifié les effets secondaires du sérum. Étant donné la gravité de ses blessures, ça en vaut la peine. Cependant, nous devrons discuter avec le Major Schaefer d'une éventuelle stérilisation. Si son ADN est modifié, nous ne pouvons pas prendre le risque qu'il. qu'il se répande. Nous sommes le 24 mai 2010 et la situation est anormalement calme. Ça m'inquiète. Peu après l'incident qui a failli coûter la vie à Dutch, nous avons subi une surtension qui n'a affecté que l'équipement des Predators. Nous ignorons totalement ce qui a causé cette surtension, ni si elle a provoqué des dégâts, mais il s'agissait d'une anomalie localisée. Il est vrai que nous avons récupéré un large éventail d'appareils de Predator, mais la perte ne serait-ce que de quelques pièces serait dramatique. Je crains que, que ce ne soit lié à l'apparition du Predator femelle. Est-ce qu'il prépare quelque chose Quoi qu'il en soit, nous attendons la prochaine rencontre pour poursuivre nos recherches. Mais il semble que nous devions attendre longtemps. 3 mars 2015. Les apparitions de Predator se font rares. Et notre financement a été revu à la baisse en conséquence. Je sais que les autres branches des renseignements espèrent voir notre section fermée. Car ils ignorent ce que nous faisons. Ils savent qu'il s'agit de recherche et développement, mais. Nous n'avons produit aucune arme, ni aucune technologie prête à être utilisée, ce qui était la raison d'être de l'OWLF. Pour eux, nous ne sommes que des fans d'OVNI farfelus, passionnés par les théories du complot. La technologie que nous avons récupérée pourrait suffire, mais notre travail ne se résume pas à récupérer des armes en vue de les utiliser en situation de conflit. Nous allons cependant plier et faire le nécessaire pour protéger l'humanité contre la menace des prédateurs. Si nous divulguons nos découvertes mineures au gouvernement, ça les calmera peut-être quelque temps. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin d'un spécimen vivant pour avancer. Toutes les missions de Dutch semblent se solder par la récupération d'un prédateur mort et d'équipements endommagés, si d'autres prédateurs ne récupèrent pas le corps avant. Bref. Il va falloir que les choses bougent si on veut éviter la fermeture de l'OWLF. Dernière entrée, le 29 août 2016. C'est officiel. Il ferme l'OWLF. Personnellement, je pense que c'est une certaine agence centrale qui nous a achevés. Ça n'a plus d'importance. Un groupe de sous-traitants a proposé une équipe pour nous remplacer et ça a été accepté. Grâce à nos découvertes, ils ont pu faire des promesses ambitieuses. On leur a rapidement donné le feu vert au vu de leur expérience dans le domaine de l'armement et de leur promesse d'obtenir un spécimen vivant de Predator d'ici un an. La plupart de nos agents, moi compris, se sont vus offrir un poste sur le nouveau projet Stargazer. Étant donné que l'OWLF n'existe plus, je pense qu'il n'est pas utile que je continue à enregistrer ces rapports. Personne ne les écoutera, et ils seront simplement stockés dans les archives. Je voulais juste te dire une chose. Je suis désolé, papa. J'ai essayé de continuer. Vraiment. J'ai essayé de trouver un moyen d'éviter que ça arrive, mais. C'était trop dur. Le projet Stargazer n'est pas ta création, mais. Je veillerai à ce que ta vision perdure à travers moi. Heureusement, Dutch n'est mentionné dans aucun de nos documents officiels. Mais quelque chose me dit que j'aurai bientôt de ces nouvelles.